السلام عليكم. إذا ننتقل إلى درس كونجيجيزون بالنسبة للوحدة الثالثة للمستوى السادس لو فرونسي براتيك دان لا لوسون سي لامبيراتيف بريزون فيرب دي برومي جروب. لوبجيكتيف سي كونجيجي لي فيرب دي برومي جروب à l'impératif. A. La phrase A. Commençons notre travail de recherche. B. Surfe sur Internet pour dénicher une excellente recherche. La phrase C. Résume l'article. D. Cherchez dans ces magazines. E. Ne découpez pas cette photo. J'observe et je découvre. Je souligne les verbes conjugués. Donc, je dois souligner les verbes conjugués. Donc, on commence par la première phrase. Commençons. Donc, commençons. Le verbe conjugué. Surf. C'est le verbe conjugué dans cette phrase. Résume. C'est le verbe conjugué. Et sécher. C'est chercher. Et enfin, c'est découper. D'accord? La deuxième question. Je copie sur mon cahier et je complète le tableau suivant. On a ce tableau-là. Phrase, verbe, sujet ou bien personne. Infinitif, groupe. On commence par la phrase A. Le verbe, c'est commençant. Donc, j'ai déjà tracé le tableau. D'accord? Le verbe, c'est commençons. Commençons. Le sujet, c'est-à-dire nous, c'est première personne du pluriel. L'infinitif, c'est commencer. Yani, صيغة الأصلية للفعل قبل تصريفه commencer. ER à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Groupe, c'est le premier groupe. D'accord? La phrase B. On a ici surf. Surf. C'est le verbe surf. Le verbe surf sur Internet. Donc, c'est un ordre. Ou bien un conseil, d'accord? Donc, c'est le premier ou bien deuxième personne du singulier, c'est-à-dire pour tu. L'infinitif, c'est surfer. Surfer, ER à la fin, premier groupe. La phrase C. La phrase C. Chercher, c'est le verbe. Chercher, pardon, c'est EZ à la fin. C'est deuxième personne du pluriel P. Chercher ER, c'est l'infinitif. Toujours c'est premier groupe. La phrase D. Ça c'est D, pardon. On passe à C. C. Résume l'article. Résume. Ça, c'est C. Résume l'article. C'est C. Avec E. Deuxième personne du singulier. C'est résumé. Ré. Pardon. Résumé. C'est l'infinitif. Toujours ces premiers groupes. Et enfin, la phrase E. Découper. EZ à la fin. Deuxième personne du L'Oréal. L'infinitif, c'est découper. ER à la fin, c'est toujours premier groupe. D'accord? Et on passe à l'autre question. Je manipule et je réfléchis.
Je transforme. Commençons notre travail de recherche. Deuxième personne du singulier. C'est pour tu. Donc, commence ton travail de recherche. Commence ton travail de recherche. Commence ton travail de recherche. Point. D'accord? Résume l'article. Deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc, résumé. Résumé. EZ à la fin. L'article. Article. Point. L'autre question, les verbes conjugués sont pronoms personnels. Sujet sont un impératif. Sont un impératif. Donc, ces verbes sont un impératif. Donc, j'écris un impératif ici. L'impératif. Impératif, c'est-à-dire l'amr. Troisième question, je relis chaque injonction avec ce qu'elle exprime. Et de, ça, أصل كل عبارة عن مناسبة لا ماذا تعبر عن ماذا شيرشي دون سي ماغازين نو دي كوبي با سيت فوتو سورف سور انترنت بور دينيشي اون اكسيلانت ريشيرش انترديكسيون سيتادير لانترديكسيون سيتادير نهي دونك انترديكسيون سي اون انترديكسيون نو دي كوبي با سيت فوتو تقطع هذه الصورة داكور اوردر والامر كونساي والنصيحة اوردر شيرشي دون سي ماغازين ابحث في هذه يعني هذا المخزن او المخزون سي ان اوردر اخيرا سورف سيغ انترنت بور دينيش دونك سي نصيحة داكور شو تيان Je complète par premier personne sans une recommandation, une interdiction. D'accord? Est un mode utilisé seulement avec trois. Trois personnes. Pour tu, kanhido tu, pour nous, kanhido nous, kanhido le sujet. Et vous. Donc c'est. Avec trois personnes. Et c'est ces personnes. Personne. La deuxième personne. On va écrire ici personne. Deuxième personne du pluriel. Du singulier, pardon. Premier et deuxième personne du pluriel. Il est conjugué sans pronom personnel. Bidoni sujet. Sans. Il exprime. Un ordre, un conseil ou une recommandation, une interdiction. D'accord? Donc, les vacances, il se termine au premier groupe. Donc, nous avons déjà vu seulement les verbes du premier groupe. Par E-O-N-S-E-Z. D'accord? Je m'entraîne. Je souligne les verbes à l'impératif présent. Je te conseille de regarder ces émissions. Donc, ce n'est pas l'impératif présent parce qu'il y a le sujet, le pronom. Regarde ce reportage. Donc, ça, c'est l'impératif présent. Ça, d'accord? Qu'est-ce le sujet, mais qu'est-ce le pronom? Élaborons aussi une carte mentale pour résumer ce sujet. D'accord? Nous devons élaborer une carte mentale. Il y a le sujet, il y a le pronom personnel, nous. Donc, ce n'est pas l'impératif présent.
Ahmed cherche, donc c'est pas l'impératif parce qu'il y a le pronom qui est le sujet, qui est l'isme. D'accord? Et on passe à la deuxième question. Je complète avec le verbe à l'impératif présent à la personne demandée. Structurez votre recherche pour une meilleure présentation. C'est deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Donc, structurez, sans dire et sans écrire vous. Structurez. Structurez, EZ à la fin. D'accord? L'autre exercice, ou bien l'autre phrase, participez avec tes camarades pour élaborer votre projet. C'est deuxième personne du singulier, c'est-à-dire pour tu. Donc c'est participe à la fin E. Participe. Participe avec tes camarades pour élaborer votre projet. C'était la source de notre affiche. Première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Citons, citons, c'est ONS à la fin, la terminaison, l'impératif pour les premiers groupes, pour la première personne du pluriel, c'est ONS, d'accord? La phrase D, insérer des données chiffrées pour enrichir notre projet. Deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous, insérer à la fin EZ, insérer. Et enfin, la phrase E, consulter plusieurs documents afin de choisir des informations pertinentes. Première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, consultants. Consultants, ONS à la fin. Consultants plusieurs documents afin de choisir des informations pertinentes. Et c'est tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa'in qadim bihawlillah.